va durer combien de temps? Une demi-heure, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir mon type et je reviens. Ok. Patricia! Patricia! Parvillesco, pourquoi avez-vous choisi candidat comme titre de votre roman? Merci. Alors, je laisse parler mon confrère. Je suis persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé. Monsieur Parvillesco? Monsieur Parvillesco, pouvez-vous demander dans le... Pensez-vous qu'on puisse encore croire à l'amour à notre époque? Bien sûr, on ne peut plus croire qu'à l'amour à notre époque, justement. Que pensez-vous de la phrase de Rainer Maria Rilke selon laquelle la vie moderne séparera de plus en plus d'hommes de femmes? Rilke était un grand poète, il avait donc certainement raison. Merci, par ici. Monsieur Parvillesco, dégage un peu. Ça va. Toi, pas tes journaux. Allez. Monsieur Parvillesco, pensez-vous qu'il y ait un comportement amoureux différent entre la femme française et la femme américaine? Il n'y a aucun rapport entre la femme française et la femme américaine. La femme américaine domine l'homme, la femme française ne le domine pas encore. Monsieur Parvillesco. Monsieur Parvillesco, quelle est votre grande ambition dans la vie? Lequel est le plus moral, d'une femme qui trahit ou d'un homme qui abandonne? La femme qui trahit. Monsieur Parvillesco, est-ce que les femmes sont plus sentimentales que les hommes? Les sentiments sont un luxe que peu de femmes s'offrent. Monsieur Parvillesco, est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre l'érotisme et l'amour? Non, pas tellement, je ne pense pas. Je n'en crois rien. Parce que l'érotisme est une forme d'amour et que l'amour est une forme Monsieur d'érotisme. Monsieur Parvillesco, est-ce que vous croyez à l'existence de l'âme dans je le monde moderne? Je crois à la gentillesse. I believe in kindness. Est-ce que vous croyez que la femme a un rôle à jouer dans la société moderne? Oui, si elle est charmante, si elle a une robe avec des rayures et des lunettes fines. C'est la phrase de Casanova, selon laquelle il n'y a pas de femme qu'on ne puisse séduire à force de bien poser de la reconnaissance. Cocteau, à travers le testament d'Orphée, répondra. Combien d'hommes, à votre avis, une femme peut-elle aimer dans sa vie? Je veux dire physiquement. Pardon, s'il vous plaît, plus que ça. Monsieur Parvillesco. Non, il n'y a pas moyen de travailler. Mademoiselle, pas dans le champ. Non, mais mademoiselle, vous êtes dans il y a deux choses importantes au monde. Pour les hommes, les femmes. Monsieur Parvillesco, s'il vous plaît. Ah, vous voyez bien, vous êtes pessimiste. Dès qu'on voit une belle fille avec un type qui a du fric, on peut dire automatiquement qu'elle, c'est une fille bien, et lui, un salaud. À votre avis, que vaut-il mieux? Quel est le pays le plus intelligent du monde? Est-ce que vous aimez Brahms? Comme tout le monde, pas du tout. Et Chopin? Dégueulasse. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Monsieur Parvillesco. Devenir immortel. Et puis, mourir.